Et salut YouTube, salut les gens de la VOD, on va reprendre notre partie sur Ori and the Blind Forest. Nous avions atteint le temple des Gumons, où on pouvait faire joujou avec la gravité. Et après un début un petit peu déroutant où on commence à marcher sur le plafond et sur les murs, on avançait pour découvrir la suite de ce lieu. Il permettra de libérer normalement l'esprit des vents. On a remarqué sur la carte qu'il y avait le gestionnaire de map qui était sur la droite, donc on va essayer de l'atteindre. Même si pour l'instant on n'a pas de fragments, donc ça va pas trop nous servir. Sait-on jamais, on va peut-être le trouver en route, j'ai peut-être Ouch. C'est vrai qu'on fait ça, on va se faire nos suies, c'est bien pratique. D'accord, bien sûr, la porte pour chercher. On a la carte pour tout à l'heure. Mais on ne peut pas encore accéder à la suite de ce côté-là. Vermisseau dégueulasse. Peut-être devoir reprendre une gravité un peu plus normale pour ce passage-ci. Laser de la mort et on va faire timer notre saut. Nos sauts. Alors troisième fragment de clé. Jusqu'ici tout va bien. C'était sans compter une manœuvre malencontreuse du joueur français. L'idée était bonne, la réalisation était beaucoup moins. À la chaleur des structures Gumon, les espèces de picots balancés par les vernes, par les limaces ne restent pas. Ce qui nous donne un petit peu de répit du cours d'attaque. C'est considéré comme zone dangereuse. C'est comme ça. On va étudier un petit peu ce qui fait ce laser. Ok.
l'air d'être rapide. Hein. Quand il est tout à fait à droite, on va pouvoir sauter et se laisser porter par la gravité. C'était ça l'idée et ça s'est assez bien passé. Est-ce qu'on peut remonter parce que j'ai pu voir des choses vers le haut. Non. J'ai craqué, il n'y avait rien. Ok. La roublardise comme ça, non? Comment ça, ça passe? Hein. Et on n'a pas trouvé de pierre pour la carte. On a dû le rater. Ah, il était en haut dans la galerie au-dessus. C'est pas grave. On va essayer de faire 100. Ça nous pousserait à faire tout le tour. Ah non, il n'est pas là. Bon, donc il doit être là quand même. Notre camarade Gumon qui décide de s'aventurer dans les. Dans le temple malgré le froid. Assistance. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On nous recrée un pont. Cet hôtel devait alimenter toutes leurs inventions. Regarde-le donc maintenant. Regarde ce qu'il a fait. Le sort réservé à sa civilisation. On a failli se suicider, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? De toute évidence, non. Juste la mort et des problèmes. Je me demande si Gumo sait ce qui est arrivé ici. J'espère qu'il nous pardonnera le fait que nous ayons survécu alors qu'eux ne sont plus. Alors... C'était chaud patate. Alors... J'espère que le laser n'ira pas jusque là-bas. Ouais. Ok. Très bien, donc nous avons un passage vers le haut qui doit correspondre à la fin du temple. Il y a sûrement quelque chose à droite. Donc on va aller risquer bêtement notre vie. Là-bas, il y a une porte, il y a un interrupteur.
safe spot en haut là-bas. On se frôler la tête par le laser à cet endroit-là. C'est fait sur lui, on va ouvrir là-bas. Alors, il va falloir rejoindre un peu milieu. Ce qui n'est pas gagné. Ah! Dommage, jusqu'ici on avait tout bon. On va se créer un point de sauvegarde ici. Ça évitera de faire un peu de passage si besoin. À sa mémère. Ça permet de transporter légèrement vers le haut. D'accord, c'est pas bon au niveau timing, mais on avait l'idée. C'est pas mal au niveau de l'exploration, on va revenir au point de sauvegarde de tout à l'heure. La moule ! Très bien, mais je fais quoi maintenant ? Ça ne marche pas. Un point de vie, c'est un point de vie, c'est ça. Ah non, c'est un point de vie, un total de points de vie. Bon, c'est pas du tout comme ça qu'il faut passer, mais ça passe quand même. J'ai pas du tout timé le saut. Ça aurait pu se finir par un échec complet. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Les restes du temple. Écoutons Sane. L'élément des vents se trouve devant nous, au cœur de cet endroit. Ces ruines sont le dernier vestige des Gumons, le rappel du triste sort de ce peuple. Gumon a perdu ceux qu'il aimait et est le dernier de son espèce. Ori, nous ramènerons la lumière. Pour Nibel et pour la mémoire des Gumons, ravivons l'élément des vents.
dangereuse. Ici. Et nous arrivons dans le nid de Kuro, notre grande amie.
Alors il va falloir attirer l'autre pour pouvoir le balancer ici, tout en étant sous le regard de Kuro. On met le plein dans la merde. Puisse échapper au regard vigilant de la chouette. C'était chaud. Nous l'avons échappé belle. Je comprends mieux pourquoi il nous en veut tant. Si Kuro nous pourchasse, c'est simplement pour protéger son enfant. Ori, n'oublie pas qu'il nous reste encore à raviver l'élément de la chaleur. La bière solaire que nous cherchons se trouve sur les hauteurs du col du chagrin. Chevauchons les vents, ils nous montreront le chemin. Col du chagrin. Ça m'a l'air bien loin. Donc avec le passage qu'on avait tout à l'heure, on va pouvoir remonter et atteindre le passage du nord. Ce passage qui nous rappelle de bien tristes souvenirs. Souvenez-vous, c'était il y a 20 minutes. Ah, comme on rigolait à l'époque, on était jeunes et insouciants. La carte, on l'avait déjà déclenchée, donc c'est bon. Franchement, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une vanne entre deux du genre. En fait, non, c'était pas si simple. Ça ne suffit pas. Il nous manque encore un pouvoir ou deux, je pense. Alors, poursuivons notre fulgure d'attention. Un peu d'XP, toujours bien. Vous avez un point de sauvegarde là-bas qu'on va essayer d'atteindre. Ils sont un peu plus faciles que ça. Voilà, très bien. Parfait. Ok. Pas sûr que c'était par là en fait qu'il fallait aller. Ouais, il y a un passage à droite là-bas. Sauvegarde au cas où.
paraissait vraiment évident qu'il y ait quelque chose de planté dans le coin. J'ai tombé mon XP. Du chagrin, c'était plus rapide que prévu. On se méfie des petits vers qui balancent des picots. C'est qu'on a tendance à se les prendre. Il nous manque un point d'énergie. Tira plus tard. Alors, deux voies, une par ici. Il nous mène à une mort stupide et inutile. Bravo le suicide, bravo le suicide. Passage un peu de tous les côtés, mais sûrement pas comme ça. Thank you.
pour y accéder parce qu'on n'a rien pour casser le mur vertical, donc on va être dans le tunnel en bas. Ici. Voilà. Rayon laser de la main, des trucs un peu dans tous les sens. Assez bien passé de ce côté-ci. Bien généreux en point de vie, jeu. Ok, ça va nous faire un passage là-bas. Très bien. Juste d'abord, c'est belle. Ça va être pour le retour. On va tomber dans le sang. Encore de l'unité. Alors. Éclat de lumière ultra augmente la puissance et le rayon d'éclat de lumière, ce qui nous mènera vers flamme carbonisante. Ce qui est pas mal. Et mon spirituel ultra, la plupart des bonus sont récupérés automatiquement, c'est pas top top. Les bonus d'énergie récupérés octroient 50% d'énergie en plus, c'est bien. Et un lien d'âme rétablit deux cellules de vitalité. On va se diriger plutôt vers l'éclat de lumière, ce qui nous permettra d'améliorer notre flamme. Après, qu'est-ce qu'on a là-bas? Respiration aquatique. Ah, c'est vrai qu'il y a les utilitaires par ici. Alors, pour prendre l'élément spirituel, on va essayer de prendre cette branche utilitaire, d'améliorer nos compétences dans le domaine, histoire de pouvoir farmer un petit peu le jeu. Et de pouvoir trouver les bonus. Alors là-bas on arrive en haut. On va redescendre.
ensemble. On va se méfier de ce qui nous attend en bas. D'accord, on doit amener la boule de poussière par là. Pour servir de protection face aux espèces de laser. Très bien. C'est mieux comme ça. Ça me permet d'avancer par ici. Avec ce tireur. Ah, c'était bloqué entre les deux, c'était pas facile de s'en sortir. On aime ça.
était là-bas. C'était pas loin. C'est pas loin du shot, on en est pas loin. Essayer d'atteindre la safe zone ici. On s'est regardé avant d'atteindre la porte, ou alors. Ah! Presque bien réussi tout à l'heure. Je sens qu'on va encore s'y reprendre à 50 fois. Bon, ça sert à rien, puisqu'on a déjà fait comme dégâts. Superbe. On va prendre un retour, allez. Changeons l'ordre établi. Ah putain! C'est fait. Non, ça aussi c'est fait. Alors je sens que le crapaud de l'enfer il va nous casser les burnes. C'est bon. Lui qui va être bombardier. Beaucoup trop d'impatience. Si j'oublie pas d'appuyer sur la gâchette, c'est bien aussi. Notre deuxième point de vie va pas servir à grand chose, mais bon.
À quoi ça sert d'avoir un nombre impair de points de vie si de toute façon les ennemis en arrivent deux minimum? Des cieux. Ce monde n'avait aucune frontière jusqu'au jour où la forêt devint aveugle. Tu maîtrises le saut avec élan. Pour utiliser cette compétence, appuie longuement sur LT. Une fois le saut complètement chargé, appuie sur A pour bondir très haut dans les airs. J'ai escaladé un mur, appuie longuement sur charger. Et j'ai pas eu le temps de les respirer avant de crever. Comprenez. Sauter.
pas patience, je ne perds pas patience. Mais pourquoi il saute, putain, je fais que X. Ah. Regardez pour atteindre le point de sauvegarde. D'accord, ça nous permet de passer à travers les ennemis. Enfin, on atteint ce point de sauvegarde. Et on va en profiter, je pense. Je pense que ça va être là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Ori and the Blind Forest. Et des bisous. Salut.